Voilà. Alors moi, je vais vous parler d'un livre qui n'a pas d'image. Mais qui peut éventuellement vous en provoquer dans l'esprit. Ce livre, donc, c'est l'Impasse des deux palais de Naguib Mahfouz, qui est le premier volume d'une trilogie qui a été publiée en France, et c'est sa raison d'être ici, entre 87 et 89 chez Fasquelle. Donc ce n'est pas non plus son édition originale en France, mais il faut savoir que dans les années 80, Naguib Mahfouz obtient le prix Nobel. C'est en 88 exactement. Et à ce moment-là, ce qui est assez intéressant pour un auteur du monde arabe, c'est que les jurés du prix Nobel le comparent et à Zola et à Dickens. Ce qui signifie, et c'est assez important, que Naguib Mahfouz a fait entrer l'écriture romanesque, la narration romanesque, dans le monde arabe. Ce qui n'était pas du tout une des qualités ou une des particularités de la littérature classique arabe. Alors ce roman c'est un tournant dans l'œuvre de Mahfouz, et en particulier parce que il initie une fresque, c'est ce que je disais, dans laquelle il va essayer de saisir l'intégralité de la vie d'Égypte. À l'époque, il l'écrit lui en 47, ce qui signale que non seulement on fête l'anniversaire de Beaubourg, mais on fête aussi les 70 ans de ce roman, qui a été écrit donc en 47. Ce roman, Mahfouz est en Égypte. L'Égypte sort de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, hein, comme le monde. Et il va raconter ce qui s'est passé dans la première moitié du XXe siècle. Et le premier volume évoque l'Égypte de la fin de la guerre de 14. Donc on peut voir qu'il y a une espèce de correspondance assez nette entre ce que vit Mahfouz et ce qu'il raconte. Ce qu'il raconte, c'est donc la vie d'une famille, la famille de Hamad Abdel Jawad, qui est une espèce de tyran domestique. Il prend pour cadre la maison familiale qui se trouve à côté de la fontaine dont on va entendre le nom tout à l'heure. Mon égyptien n'est pas très bon. Vous le verrez assez rapidement. Et à travers l'histoire de cette famille, dont il va décliner les destins sur trois générations dans la trilogie, il nous raconte l'Égypte. Mais il nous raconte l'Égypte sentimentale, il nous raconte l'Égypte économique, l'Égypte sociale, l'Égypte politique, et tout ça dans un seul roman, en fait. On a vraiment un panorama très riche et extrêmement ciselé, à travers une famille qui n'est pas immense, un père tyrannique, j'en ai parlé, une mère, deux filles, l'une belle, l'une pas belle, trois garçons, un garçon plutôt sensuel, comme le père, je reparlerai ensuite de la figure du père qui est extrêmement particulière, donc un garçon, l'aîné, plutôt sensuel, et un peu à la fois indolent et pas très motivé par les responsabilités. Un fils plutôt tendu vers les études, vers le savoir et vers la révolution. Et un petit gamin, Kamal, qui lui a 9 ans et qui en fait va servir d'alter ego à Mahfouz. On a vraiment l'impression que ce personnage-là porte toute la curiosité de Mahfouz à travers le livre et à travers la trilogie. Alors je vous lirai un petit fragment de ce livre. Ce qui est intéressant, je vous parlais donc de la figure du père, ce sont les rôles de chacun dans la famille. Je vous laisserai découvrir le rôle des enfants tout seul. En revanche, le rôle des parents est extrêmement significatif, et je m'arrêterai dans la lecture sur le rôle de la mère. Vous verrez pourquoi. Le père, lui, c'est donc le tyran domestique qui régente toute la vie de la famille. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout, c'est-à-dire que la mère n'a pas le droit de sortir de la maison. Ou si elle sort, c'est avec le père et uniquement pour aller voir sa mère. Donc on a une vie sociale extrêmement compliquée pour les femmes. Je passe sur les demandes en mariage et ce genre de scènes absolument incroyables. Le père donc est un Janus, qui est donc le tyran domestique et qui tous les soirs fait la vie avec des courtisanes, avec des copains, avec des collègues commerçants. Il boit, il fume, il prend de la drogue,
etc. Mais dès lors qu'il est à la maison, c'est une espèce de tyran qui est basé, dont la philosophie, si on peut dire, est basée uniquement sur cette philosophie qui est la philosophie du droit. Vous savez qu'il n'y en a peut-être pas, mais il y a 4 philosophies du droit dans le monde musulman. Et comme par hasard, lui, il a choisi la plus stricte. Et la plus stricte, qui a une base dogmatique, la tradition. C'est-à-dire que n'est valable dans ce corpus d'idées et de fonctionnement social, la tradition et le Coran. Voilà. Je vais vous lire quelques pages donc, de ce roman qui évoque la mère de famille. Donc. Elle a un nom, elle s'appelle Amina. Et si j'ai pas perdu ma page, ça ira beaucoup mieux. Le moucharabier donnait sur la fontaine de Bain al-Kasraïn et surplombait l'intersection de la rue du même nom qui montait vers le nord avec la rue d'Al-Nasaïn qui plongeait vers le sud. À gauche, la voie apparaissait étroite, sinueuse, tapie dans l'ombre épaisse des étages supérieurs où s'alignaient les fenêtres des demeures endormies et celles plus diffuses des rez-de-chaussée, profitant de la lumière des lanternes, des voitures à bras, des enseignes des cafés ou d'une poignée de boutiques faisant nocturne jusqu'à la pointe de l'aube. À droite, elle s'engouffrait dans une zone obscure, désertée par les cafés, au profit des grands magasins fermant tôt leurs portes. Rien sur cette toile de fond n'accrochait le regard, hors les minarets des collèges de Kalaouon et de Barkouk, fiers comme des silhouettes de géants, montant la garde sous la voûte étoilée. Un tableau qui avait captivé ses yeux un quart de siècle durant, sans jamais la lasser. Du reste, peut-être avait-elle ignoré la lassitude tout au long de sa vie, pourtant monotone. Au contraire, elle avait découvert dans ce spectacle un compagnon de solitude et l'ami dont elle s'était trouvée quasiment privée pendant une longue période de sa vie. C'était avant la naissance de ses enfants, à l'époque où cette grande maison à la cour poussiéreuse, avec son puits profond, ses étages et ses pièces immenses, au plafond démesuré, n'abritaient qu'elle, en tout et pour tout, la majeure partie du jour et de la nuit. À l'époque de son mariage, c'était une toute jeune fille, à peine âgée de 14 ans. Mais à la suite de la mort de ses beaux-parents, elle s'était vite retrouvée seule à la tête de cette grande demeure, aidée alors uniquement dans sa tâche par une femme âgée qui la quittait à la tombée de la nuit pour aller dormir dans le réduit du four à pain, à l'autre bout de la cour, l'abandonnant au monde des ténèbres peuplé d'esprits et de spectres, tantôt s'assoupissant, tantôt cherchant le sommeil jusqu'à ce que revienne son vénérable mari de ses interminables sorties. Voilà pour l'ambiance et pour la position donc, de cette femme. Donc si le mari est lui un fervent ambaliste, donc du nom de cette philosophie juridique traditionnaliste, on peut dire que Mahfouz, sans vraiment donner clairement de notes ou de d'avis moral, se contente de dresser le panorama, mais on voit bien par les yeux de Kamal, par exemple, ce qui le choque et ce qu'il veut voir évoluer dans la société égyptienne. Autrement dit, ce roman, il a une double fonction. Il modernise la littérature, mais il montre aussi une Égypte qui est en train de basculer, qui est en train d'évoluer et qui a besoin d'évoluer durant tout le début du siècle. Et évidemment, donc ça, je vous laisserai découvrir tranquillement tout seul. Mais la place de la femme est finalement ce qui moi m'a le plus frappé dans ce roman et évidemment dans la trilogie. Voilà.